Allez, on ne perd pas de temps, on s'intéresse tout de suite à notre niveau et on va affronter un nouvel adversaire. Et je suppose que vous aussi vous l'avez reconnu, il s'agit du très célèbre Zangief, le lutteur soviétique, qui va pas faire long feu, étant donné que bah celui-là, Zangief il est bien, mais il est un petit peu lent et un petit peu bourru sur les bords. Hein, parce que ouais, c'est le genre de personnage qu'on peut battre assez facilement. Hein. Voilà, ouh super, les bons coups de pied que je lui envoie dans la face. Bon, très sincèrement, je ne regrette pas d'avoir choisi ce personnage, parce que très sincèrement, parce que Ryu et le reste sont bien, mais bon, faut quand même un petit peu prendre Blanka, parce que Blanka c'est quand même le plus agile et le plus stylé de la franchise. Ah, il faut vraiment, mais bien, ouais, super, ouais, génial! Et j'obtiens un perfect. Waouh. Alors, le perfect, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est quand vous réussissez à battre votre adversaire sans qu'il vous touche. Ce qui vous donne mais, un bonus de points, mais phénoménal. Ah là là là. Bon, allez, au suivant. Ah, les USA. Et on va affronter Guy. Alors, oui, Guy, le GI. Qui ressemble à peu près au chef des G.I. Joe. Hein. Je sais plus qui c'est qui j'ai le chef des G.I. Joe. Je ne sais plus si c'est Duke ou enfin Duke ou bref, je sais pas. Faudrait que je me renseigne. Mais bon, peu importe. On leur a tout de suite reconnu qu'il s'agit de bien d'un G.I. Et voilà, un magnifique coup de pied dans ta face. Ah, je m'en sors bien. Franchement, je m'en sors bien. Allez, deuxième round. Bon, je vous rappelle, je suis Blanka. Ah oui, pour ce qui concerne ce que j'ai raconté tout à l'heure sur l'histoire de Blanka, bon, même si la forêt amazonienne l'a un petit peu transformé, ou même si il a subi des mutations génétiques à cause de Shadaloo, parce que j'ai vu dans un livret qui parle de son histoire, à ce qu'il paraît, Shadaloo aurait été capturé par l'organisation Shadaloo qui aurait modifié. Son apparence, donc on peut sous-entendre que les savants de Shadaloo l'ont transformé en mutant. Voilà, pour l'instant, j'ai réussi à battre Guile. Alors. Ah, super! Un boostage! Et on casse encore des briques! Yeah! Voilà! Ah oui, comme vous le savez, Blanka, il lance des décharges électriques. C'est un peu l'ancêtre de Pikachu. Hein. Voilà. Voilà, on casse des briques. Encore, voilà. Ok, voilà, allez, coup de tête! Et voilà, c'est parfait! Wouh! GG! Franchement, GG! Bon, allez! Personne suivante, s'il vous plaît! Wouah, super! Le Japon! Et on va affronter Honda le sumo, yeah! Lui aussi, il est cultissime, celui-là! Hein? Bon, d'ailleurs, il va pas rester trop longtemps. Il va dégager à vitesse grand V! Hein. Bon, mis à part ça, je trouve le décor de ce jeu assez stylé, assez beau, limite bien foutu. On entre quasiment, mais limite dans le décor style rétro fin 80, début 90. Ce qui a fait le charme de la série. Alors, bien évidemment, je compte faire un seul test sur ce jeu. Bon, bien évidemment, j'aurais bien voulu essayer de tester ce jeu en faisant les autres personnages, mais bon, ça risquait d'être un petit peu long. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. J'essaierai de voir si je peux mettre là à la fin des autres personnages que je mettrai en cadeau bonus. Quand je terminerai le jeu avec ce personnage, bien évidemment. Voilà, j'ai battu Honda, et maintenant on va essayer de voir affronter le dernier, à savoir Ken. Qui est l'ami de Ryu. D'ailleurs, lui et Ryu ont eu le même maître. Et la même. Et d'ailleurs, les deux sont similaires, ils ont quasiment les mêmes attaques. Donc, ne vous étonnez pas si Ryu et Ken ont quasiment les mêmes attaques. Mais par contre, ils n'ont pas le même kimono. Ryu, c'est le kimono blanc, et l'autre, c'est le kimono rouge. Voilà, allez, on continue. Mince, je l'ai. Bon, faut faire gaffe parce que Ken, c'est pas n'importe qui. Hein. Ouh, joli! Allez, oui, on continue. Ah merde, oh bien joué, bien joué, bien joué. Allez, allez, allez. Ah merde, oui, il va me battre.
Oh mince! Oh, il m'a touché, mais. Oh là 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 là! Il m'a touché, mais au pixel près, comme on dit, hein. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, je continuerai, je continuerai, y a pas de souci, hein. Allez, on continue, voilà, oui, on continue. Voilà, yeah! On vient les bidons! Je me demande ce qu'ils foutent là, ces bidons, mais bon, c'est pas grave. Allô! Ah oui! Je vous l'ai dit! Vous voyez, il a essayé de le balancer à l'Hadouken. Je vous l'ai dit que lui et Ryu ont quasiment les mêmes techniques. Ah, mais. Ah, attention, attention, attention. Voilà, oh, attention. Oh, il faut faire ce gaffe. Voilà! Un croche-patte, et c'est le KO. Mais c'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout. Il reste encore un round pour confirmer ma victoire. J'adore ce jeu. Franchement, j'adore ce jeu. C'est probablement le seul jeu de combat qui a quasiment, mais limite. Bercer toute une génération, hein. Et c'est un fin connaisseur qui vous le dit. On continue, voilà, oui. Voilà, croche-patte. Ouh, allez, oui! Ah, pas encore, pas encore, pas encore. Ça va le faire, voilà! As-tu vu, mon gars? As-tu vu, hein? Hey. Bon, ça va, franchement, j'ai pas trop galéré, hein. Oh là là, oh, cette tête! Eh! Hey. Sans déconner, cette tête, c'est vraiment la définition du passage à tabac. Hein. On a presque envie d'en faire un mème, tellement c'est culte. Bobo, la pompe man anti-douleur et blessure. Re une nouvelle fois, et donc comme promis, on va s'intéresser tout de suite à la fin du jeu. Et donc, ah oui, après avoir battu tous les Street Fighters que vous avez rencontrés sur votre chemin, nous allons rencontrer les 4 boss. Oui, parce qu'il y en a 4. Bon, pour l'instant, ils sont 3, mais le quatrième, il va pas tarder, c'est Bison. Et là, pour l'instant, on va s'intéresser tout de suite au premier de ces messieurs, à savoir Balrog, le boxeur. Faut faire rire parce que Balrog, lui aussi, c'est pas un micelle, comme on dit. Attention, oui, oh, joli, 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 joli. Attention, oui, ouh, magnifique coup de tête. Oui, voilà. Un bon coup de boule à la Zinedine Zidane. Hey. Zidane, il a marqué. Zidane, il a marqué. Zidane, il a marqué. Zidane, il a marqué. Ouais, bon, ok, on va peut-être arrêter parce que je chante très mal, mais en plus. Ouh! Bien joué. Bon, ça va. Enfin, franchement, si on analyse bien ses attaques, il n'est pas trop difficile à battre, Balrog. Et au départ, il devait s'appeler M. Bison, mais les noms ont été inversés. Parce que Balrog, c'est le nom de Vega, et donc le ninja espagnol qu'on vient de croiser. Oh, attention, attention! Ah, mais! Ah, oh, bien joué, bien joué. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, et donc Vega, qui est en fait M. Bison, c'est son nom en version, enfin, en version japonais traditionnelle. Hein. Oui, comme je veux dire, à la sortie de ce jeu, les noms des persos ont été inversés. Ouh! Allez, ouh! Allez, on continue! Yeah! Ouh! Ouais, t'aimes ça, hein? Ah, mais je le fête! Je le fête! Voilà! Je vous l'ai dit! Je vous l'ai dit! Franchement, ce perso et ce boss, il est bien, mais très sincèrement, bon, il est pas aussi fort qu'il en a l'air. Mais bon, j'ai quand même réussi à le battre. Bon, c'était un petit peu dur, mais au moins, j'ai quand même réussi. Et alors, Balrog, il ressemble vraiment à Mike Tyson. D'ailleurs, c'est fou à quel point les boxeurs noirs, enfin, black, afro-américains, ont un point commun avec Mike Tyson. Allez, et enfin, maintenant, on va s'intéresser tout de suite au deuxième boss. C'est Vega. Oh, il faut regarder, parce que Vega, il est dangereux, celui-là. Oh là là, et je... Ouh là 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 là. Oh, comment il me saigne. Ouh là là là. Bon, c'est pas grave, enfin, je comptais recommencer. Parce que je savais que j'allais me manger une branlée, je le savais. Hein. Allez, c'est pas grave, hein. On ne désespère pas. De toute façon, j'irai jusqu'au bout. Et je terminerai ce jeu jusqu'au bout. Hein. Bon, peut-être pas avec tous les personnages présents dans le jeu, mais bon, s'il le faut, je mettrai les fins des autres personnages qu'on n'a pas joués hein, comme vidéo bonus. Hein. Donc, ça aussi, je vais voir si je peux les mettre, je vous le promets. Attention, oui. Attention! Oula! Oula, 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 attention! Oui, il faut faire gaffe! Oula, attention! Là, il a grimpé sur la grille! Quand il grimpe sur la grille, c'est que. Voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je redoutais. Quand il grimpe sur la grille, ça signifie qu'il va quasiment vous attaquer. Et quand il vous attaque, c'est pas bon du tout. Bon.
C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va recommencer, on va pas désespérer. Voilà, quasiment, mais à quelques pas de la fin, on va pas abandonner. Allez, on continue. Blanca versus Vega. Yeah! Bon, j'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans espagnols. Oui, parce qu'on se trouve en Espagne, pour ceux qui n'auraient pas remarqué. Voilà, yeah! Oui! Voilà! En fait, il faut quasiment, mais en fait, il y a un moyen pour battre Vega sans trop de prise de tête. En fait, il utilise plus l'attaque au vol plutôt que l'attaque au sol, hein? Parce que c'est un personnage qui sait utiliser l'attaque du vol comme personne. Dès qu'il est quasiment en haut, enfin qu'il est en envol, il faut quasiment lui balancer des coups de pied chassés. Voilà! Vous voyez? J'ai réussi à le voir. Attendez, c'est pas fini? Attendez, parce que. Oh la merde! Voilà, attention, 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 attention. Qui t'arrive, mon gars? Ah merde! Oh, bien joué, hein? Bah, faites gaffe parce que lui aussi il peut vous surprendre. Mais il faut vraiment mais prendre ce personnage, mais vraiment au sérieux, hein? D'ailleurs, tous les personnages que vous affrontez seront vraiment à prendre au sérieux, hein? Voilà! Attention! Voilà! Oui! Non, pas encore! Allez, voilà! Bien joué, bien joué, bien joué, hein? Mais c'est pas fini, il reste encore un round à gagner. Après, ça sera au tour de Sagat. Et après, ça sera au tour du boss final, à savoir le général M. Bison, le grand méchant de la saga, qui, se dit en passant, ressemble plus à un dictateur plutôt qu'à un maître de l'outre-monde à la Shao Kahn. Ouh! Allez, on se concentre. Voilà! Ok, on se concentre, on recommence. Ah merde! Bon, pas grave. On continue. Voilà! Allez, oui, on commence, voilà, allez, on saute encore mon gars, voilà, allez, encore, 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 olé, olé, voilà, attention, c'est la mise à mort, c'est va être la mise à mort, et il est là, voilà, la voilà, la fameuse mise à mort, eh bah putain, c'était pas évident, franchement, c'était pas évident, mais au moins, j'ai quand même réussi à le battre. Alors, à qui le tour de mourir maintenant?